Une vraie Parisienne, c'est quelqu'un qui a l'air d'être chic sans avoir du tout travaillé son chic. Je suis pas Sylvie, du tout dans la vraie vie. Même là, je suis en train de vous la jouer. Bonjour, je suis Philippine Leroy-Beaulieu. Je suis venue choisir une tenue de la Parisienne ultime. Mais là, déjà, je suis bien. Une très belle chemise avec une jolie jupe de Jacquemus. Si tu veux nous donner, par exemple, deux pièces que chaque Parisienne a dans sa garde-robe, tu choisirais quoi? Oh, je pense qu'elle a le très bon jean qui lui fait un très joli cul et qui... voilà. Elle a aussi le très beau manteau. Il y avait une femme, d'ailleurs, une fois qui m'avait dit, tu sais, c'est peu importe ce qu'on porte en dessous, ce qu'il faut, c'est avoir le beau manteau. Ça, c'est un très beau manteau. On va le prendre, ça me plaît. Oh la vache! Ça, c'est très, 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 très joli. Le Parisien s'habille comment? Alors, chez le Parisien, il y a celui qui aime bien mettre le costard un peu cintré, un peu joli, un peu qui le flatte. Il y a celui qui n'a rien à faire. Je pense que quand on regarde des hommes, on les regarde par rapport à ce qu'ils nous font, pas de quoi ils ont l'air. Ça nous intéresse un peu moins, quoi. Ah, waouh! C'est mignon, ça. C'est très mignon. Ça, je trouve que ça a essayé, parce que ça fait une belle silhouette de Parisienne. Allez, on va l'essayer. Voilà une Parisienne, une espèce de Parisienne, une genre de Parisienne à la Sylvie, qui pourrait mélanger un caban très sport et très beau avec une super couleur, avec une robe un peu genre la sirène quand même, parce qu'elle se la joue un peu sirène. Je suis pas Sylvie, du tout. J'aime bien cette robe parce qu'il raconte quelque chose de Philippine qui est devenue Sylvie. Bon, là, je vais essayer une autre robe. Alors, voilà un autre look qui, à mon avis, est un peu le gagnant de l'affaire. C'est une petite tenue Jacquemus. Il y a quelque chose d'assez gagnant, c'est assez power suit. C'est assez une Parisienne à la Sylvie. C'est une Parisienne chic, mais forte, puissante. Très féminine, qui continue à garder quand même son petit côté, je monte quand même ma jambe, mais je suis quand même très forte. Est-ce que tu es pour ou contre les crocs? Ah, je suis totalement contre les crocs. Le confort a une limite. Je crois que je vais partir avec cette tenue.